Bienvenue dans la cuisine de Casabiana pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer un gratin d'épinards et de poulet. C'est vraiment une recette délicieuse, rapide, que je vous conseille encore une fois de réaliser. Alors, cette recette, il nous faudra des épinards. J'ai l'équivalent à peu près d'un kilo d'épinards. Il vaut mieux avoir une grosse quantité d'épinards parce qu'à la cuisson, bien sûr, ils diminuent. Donc, j'ai des épinards que j'ai donc bien lavés. Des épinards en branche, des épinards frais donc. Ensuite, il nous faudra des escalopes de poulet. J'ai l'équivalent de 5 escalopes de poulet. De l'huile d'olive, du lait, il nous faudra l'équivalent à peu près de 300 ml de lait, un gros oignon haché, du fromage râpé type mozzarella, donc c'est un mélange de mozzarella et d'emmental, du sel, du poivre et une gousse d'ail haché. Et il nous faudra aussi pour cette recette une cuillère à soupe de farine. Alors pour commencer cette recette, je vais donc découper les épinards. Donc je vais les découper en petits morceaux. Alors pour réaliser donc ce gratin, je fais chauffer une poêle et je vais y déposer l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une fois que l'huile est bien chaude, je vais y déposer mes escalopes de poulet. Et je vais donc les saler et les poivrer. Et je vais les saler à nouveau et les poivrer. Une fois que j'ai fait saisir mes escalopes de poulet sur les deux faces, donc on va pas trop les faire cuire parce qu'on va les mettre au four, je les retire. Ensuite, je vais rajouter l'oignon, donc c'est l'oignon haché. Je fais bien revenir l'oignon. Donc on fait cuire nos oignons dans l'huile où on a fait cuire donc les escalopes de poulet. Ça va leur donner un bon goût. Une fois que mes oignons commencent à être translucides, je vais rajouter de l'ail. Donc une gousse d'ail haché. Je fais revenir l'ail avec l'oignon haché. Et ensuite, je rajoute les épinards. Et on va laisser cuire les épinards jusqu'à ce qu'ils fondent bien. Donc vous allez voir, il va rester que la moitié. Et ça cuit très très vite. On va rajouter juste une petite pincée de sel et une petite pincée de poivre. Pas besoin d'en rajouter trop parce qu'on en a déjà mis dans le poulet. Légèrement. Et on fait bien saisir les épinards avec les oignons et l'ail. Une fois que j'ai bien fait revenir les épinards, donc ça a pris à peu près 2-3 minutes, il faut qu'ils réduisent. Donc là, je vais les retirer et je vais les mettre dans un plat. Après avoir retiré les épinards donc de la poêle, c'est toujours la même poêle, je vais y rajouter de l'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Si vous préférez mettre du beurre, vous pouvez mettre du beurre, c'est pour préparer une béchamel rapide. Je vais rajouter la cuillère à soupe de farine, je mélange. Et je vais rajouter du lait froid, l'équivalent de 300 ml. Et on va bien mélanger jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. On va rajouter une petite pincée de poivre et une petite pincée de sel. On va pas mettre trop de sel. Parce que les épinards déjà sont salés, le poulet aussi. Et on mélange jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Une fois que ma béchamel commence à faire des petites bulles sur le dessus et qu'elle commence à être épaisse, je vais donc éteindre le feu, pas qu'elle soit trop épaisse non plus parce qu'elle va continuer de cuire donc au four. Voilà, il faut obtenir une béchamel qui soit un petit peu liquide.
Je vais y rajouter du fromage râpé pour lui donner plus de goût. Et le reste, je le garde pour le mettre donc sur mon gratin. Je mélange le fromage dans la béchamel. Une fois que j'ai terminé de préparer donc ma béchamel et que j'ai mis le fromage, je vais y rajouter les épinards. Les épinards et les oignons. Donc le mélange d'épinards et d'oignons. Et je vais bien mélanger. On incorpore bien la béchamel dans les épinards. Donc voilà, il faut obtenir donc des épinards à la béchamel. Donc là, je les ai bien mélangés et maintenant, je vais préparer mon gratin. Donc je prends un plat à gratin et je vais y déposer donc mes épinards. J'étale bien les épinards dans le plat à gratin. Ensuite, je vais disposer mes escalopes de poulet. Et ensuite, je mets donc du fromage sur le dessus de mes escalopes, sur le gratin en entier. Donc on met du fromage bien partout, on recouvre toute la surface. Et je l'enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près 10 minutes, 10 à 15 minutes. Il faut que le fromage soit bien doré sur le dessus et en même temps, le poulet va continuer de cuire. J'ai terminé de préparer mon gratin d'épinards et de poulet. C'est vraiment une recette rapide et délicieuse que je vous conseille de réaliser au plus vite. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu, à la partager et aussi à vous abonner en activant bien sûr la cloche. Mon gratin d'épinards et de poulet est prêt et il ne reste plus qu'à le déguster.